Round one. Ready? Go! K.O. Rushing victory. Player one wins. Mai. Round two. Ready? Go. Ta. Kishouken. Ta. Ta. Kishouken. Damieken. Ta. Damieken. Kudake chire. Round three. Ready? Go! Yeah! Round one. Ready? Go! Yep!
将と違って技巧派だな。やりづらいったらなかった。メンバーセレクト。正義に屈せよ。任せて。僕はいらん。Stage select.取ろすぎだろ、取ろすぎだろ、やった、受けてた。
the King of Fighters 14. Controller select. Member select. Order select. Stage select. Round 1. Ready? Go! Ha! Clear! Ha! Clear! 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 Clear!
possible. Player one wins. 目標を確認。
開始。Round three. Ready? Go! はっ！無駄だな。これで。はっ！はっ！はっ！はっ！はっ！うるい！うるい！うるい！うるい！破る！ここが貴様の墓場だ。天！すぐ楽にしてやる。Round four. Ready? Go! いや！さあ！さあ！うん？押した！押した！さあ！はい！はっ！遅い！さあ！はい！うん？はい！はい！はい！さあ！うん？Member select. Order select. Stage select. Nimu, 私が勝っても恨まないで。Round one. Ready?はい！
すぐ楽にしてやる。 Round 3 Ready Go!任務、私が勝っても恨まないでね。ラウンド1、レディー、ゴー。はっ、はっ、やっ、くらえ。はい、やっ、くらえ。逃がすか、やっ、とどめない。私が倒す。はっ、やっ、とどめない。ふっとれ、やっ、テイクス。 まだ。遅すぎ。KO! Good job! Player 1 wins! いくぜ! Round 2! Ready? Go! やっ!はっ!スリア!
Thank you.
skillfully. C'est bon? Allez, c'est parti pour la grande finale de cette troisième session Inui League KOF 14. Opposant les deux habituels champions, le numéro 1 et le numéro 2 au classement, mais aussi numéro 1 et numéro 2 de la précédente ligue. Ishizim contre Freezer, un Freezer qui a été intraitable au cours de la finale winner, ce qui lui a permis d'avoir une vie. Alors je vous rappelle ce format en grande finale. Ishizim va devoir vaincre Freezer deux fois dans un FT3 avec. Et donc double FT3, si Freezer gagne les trois premiers, enfin arrive à 3 en premier, il remporte cette troisième session de la Inui League. Leona Heidorn des deux côtés, j'ai pas dit Leona Heidorn, j'ai dit Leona Heidorn et Heidorn des deux côtés pour Kyo et Mai Shiranui, Mai pour Freezer et Kyo chez Ishizim. Donc voilà, on va pouvoir voir comment ces joueurs réussiront à se neutraliser mutuellement dans cette finale qui s'annonce d'ores et déjà épique. Allez, Heidorn contre Leona. C'est parti, le père contre la fille. Premier match avec le Heidorn de Freezer en 1. Il a changé son ordre, tandis que Ishizim maintient le même ordre qu'il a joué le match avant contre moi avec Leona face à Heidorn. Voilà, le kill qui empêche toute possibilité de sauter. Kill. Oh, la balette de Leona qui passe en dessous. Je comprends plus rien, moi. Ça veut dire que... Ok, bon, je sais pas. Parce que le babet de Kula, il passe pas en dessous. Bien vu. Instant, ça s'est équilibré entre les deux joueurs. Voilà, Leona qui maintient Heidorn dans le coin et qui le force à piffer avec un combo optimisé comme Ishizim a l'habitude de nous faire. Voilà, les overheads qui sont punis malheureusement. Le max mode est raté. Bonne garde du joueur d'Aria 12. Oh là là, avec les dégâts du Magic Launcher et la roulade qui n'est pas punie en OS. Ouh, il a voulu faire overhead, super. Ça s'est raté. Oh, l'overhead full screen, pas max modé par Freezer. Et le Magic Launcher qui fait double contact et qui fait pas tous les hits. Oh, il a voulu décaler avec son Excalibur. Bien vu. Oh là là, il a laissé empaler dans la furie avec un CD pour confirmer. Freezer qui prend le premier round et qui se débarrasse de la Leona de Ishizim. Allez, kill, balayette, kill. Kill. Enfin, kill, non. Oui, c'est ça. Non, kill, non, c'est pas ça. C'est la boule, en fait. Ça, c'est le cross-cutter kill. C'est le moon-slasher. Allez, babé, voilà. Oh, non, ça passe, ça. Oh, mais ça passe. À la distance. Bon, je crois pas qu'il a tous les dégâts, mais ça suffisait pour le tuer. Très bon réflexe. Très belle option de la part d'Ishizim. Allez, c'est au tour de la Mai de Freezer. Mai qui a fait très mal le match d'avant. Maikyo, match-up qu'on a vu, mais en première position cette fois-ci, on les voit en deuxième avec un peu plus de possibilités grâce aux additions du max mode et des ressources en stock. Voilà, c'est des boules. Freezer qui a une des meilleures mailles du monde, hein. Clairement. Il joue le personnage depuis le day one, il l'a jamais lâché. Voilà, avec les set-up, cross-up, très difficile à garder. Et le nouveau combo, il va garder ses barres. Allez, voilà, c'est des boules. Qui gagne le R2R et qui fait un devant derrière super invisible. Qui va choisir de garder ses barres pour avoir le knockdown. Il va l'emmener dans le coin. Overhead roulé de la part de Freezer. Mais qui se mange le babé stand B avec le conversion en max mode. Il les rate pas, Ishizim, il les rate pas. Bon les gars. Et il l'emmène encore dans le coin. Et voilà son gros pied. Freezer a bourré je sais pas quoi. Et il a pris le coup. Ishizim qui nous fait voyager dans le stage avec son Kyo. Et qui va lui permettre d'affronter la Leona de Freezer, le gardien de son équipe. 4 super, là, commence avec stand gros pied, bientôt 5. Tandis que le Kyo n'a pas beaucoup de vie, s'il perd vite, sans forcer l'utilisation des ressources de la Leona, il va se retrouver en désavantage. Alors qu'il est techniquement... Oh oui! Ce coup de poker de Freezer qui va se faire punir par Ishizim. Pas de la meilleure manière qu'on aurait pu imaginer. Mais bon, pourquoi pas, il veut garder ses barres. Oui, ce dragon pour empêcher le saut. Et l'overhead qui va passer. Et là, ça va être combo. Et je crois que c'est mort, non? Hey. Et je sais pas ce qu'il a fait.
J'ai pas compris pourquoi il a pas fait le combo avec deux barres qui tue Léonard là largement. Encore un choix étrange de la part d'Ishizima avec la balayette. Il bourre les babés, il bourre les babés. Oh, et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Et là, cette fois-ci, l'overhead de Freezer qui va passer. Et sa Léona n'est toujours pas morte. Léona immortelle qui va devoir affronter son père dans un combat fratricide. Enfin, péricide, j'ai envie de dire. Patricide. C'est patricide qu'on dit, pas péricide. On invente des mots. Mais c'est pas grave. Dans l'autre sens, avec Aiden 4-3, super. Hein, bon. Et là, Léona de Freezer ne meurt jamais. Hein. Il faut jamais l'enterrer. Oui, le V-slash de V-slash, V-slash. V-slash Freezer qui slash. Qui slash tout ce qui se passe. Et voilà, bon bah ça par contre, y a pas assez de vie pour combattre. Et Ishizim qui prend son premier match. Bon, je vous rappelle que c'est FT3. Et que... Ah, un petit signe de la main de Freezer qui indique un changement d'ordre. Je pense qu'il va remettre Mai en premier, techniquement. Hein, ça va être l'ordre choisi. Le New Order. Ishizim 1-0. En tout cas, j'espère que vous appréciez le spectacle de ces deux joueurs extrêmement talentueux qui font la fierté de notre pays. Freezer, hein, qui a pu remporter un grand tournoi au Moyen-Orient récemment, s'imposant comme le MVP du tournoi grâce à ses prestations hautes sur de multiples jeux. Et Ishizim, hein, qui est le champion en titre, hein, de la dernière Inui League et qui est aussi le premier au leaderboard aujourd'hui au niveau des points. Donc deux combattants d'exception qui s'affrontent dans un Mirror Léona. On ne peut plus original, j'ai envie de dire, et que ça fait que des balayettes depuis tout à l'heure, en fait, d'accord. Bon. En fait, il faut une bonne balayette si tu veux tuer Léona, a priori. Eh oui, le Apple Juice. Attention. Oh, il est retombé dedans. Pour l'instant, on a Freezer qui connaît parfaitement son personnage. Oh là là, la distance de confirme du bonhomme, mais c'est complètement fou. Ah là, Ishizim qui a trouvé, Ishizim qui a eu l'ouverture aussi. Mais on sent quand même que Freezer est beaucoup plus à l'aise avec le personnage. C'est normal, hein. L'expérience fait la différence et voilà, et ça se voit. Ah non, non, faut pas venir le chercher Freezer sur son propre terrain. Léona, c'est son perso. Son sponsor s'appelle V-Slash, c'est pas pour rien. Allez, c'est au tour du Kyo Kusanagi qui nous a fait rêver lors du précédent match. Qui va devoir faire la différence avec devant derrière, bien vu, il est resté devant. Est-ce qu'il va économiser? Oui, bah il économise. Ah, mais pourquoi il veut optimiser des combos là où il n'y a pas d'optimisation? Il faut qu'il apprenne. En fait, Ishizim, c'est tellement un technicien qu'il veut tout le temps faire le meilleur truc possible à chaque fois. Et parfois, bah, c'est pas possible. Activation de Max Mode dans la garde pour Freezer. Voilà, avec son Earring Bakudan X qui lui permet d'avancer tranquillement et de contrôler la distance. Oui, punition du CD en whiff par une chop. Oh, une nouvelle chop à nouveau, il se sert. Il se sert le Kyo d'Ishizim qui va lui permettre de devenir plus ou moins égalité. Hein, avec un gain de vie... de presque 200, je crois. Et des ressources à peu près équivalentes entre les deux personnages. Avec la Mai qui poke la Mai de Freezer. Hein. Un de ses meilleurs persos, si ce n'est son meilleur perso. Qui avait le rôle de garder sa team. Hein. Oh, ça c'est pas safe. Ça c'était une erreur d'input de la part de Freezer. Qui va se faire payer par Ishizim qui a raté son combo. Parce qu'il sait pas qu'il faut faire le petit ciseau. J'ai pas compris. Et c'est une erreur qui finalement va se retourner contre Ishizim et qui va manger un combo alors que c'était à lui. Ah voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Voilà, bon, il va pas prendre de risque cette fois-ci. Il va faire le combo qu'il sait faire en emmenant Mai dans le coin. Et l'overhead qui passe. Et ben oui, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Ça passe sur tout le monde. Et il a fait un combo bizarre à la fin. Hein. Il m'a fait peur. En tout cas, voilà ce Kyo de Ishizim. Un Kyo qui ne jouait pas avant. Il l'a vraiment sorti pour la V3. Et qui fait vraiment le ménage contre Freezer. Et c'est autour de son Aidern. Hein. Son gros Aidern, un personnage complètement pété entre les mains d'un joueur pété. Je vous laisse deviner hein, les résultats. Aïe aïe aïe, ce Kyo qui a pas confirmé. Je pense qu'il était surpris de voir le close B qu'on voit jamais en fait. Ah. Ah, il aurait pu break et punir, mais je sais pas ce qu'il a voulu faire. Voilà, Boulex sur la relevée. Ah, il a raté son timing de Boulex. Freezer, on a entendu le bruit du stick. Kill. Voilà, et balayette. Mais c'est Andy en fait, le perso. C'est Andy, Léona, tout mélangé avec Gaël, avec tout le monde. Hey, hey, Bodiga. On emmène dans le coin. Et là, c'est l'embrouille. Faut pas craquer, Freezer. Faut pas craquer contre ce Kyo. Voilà, Kusanagi Kyo qui a voulu optimiser. Ah là là. Il a voulu faire Dragon Super parce que voilà. Mais non. Non, pas en finale d'un tournoi. Pas en finale d'un tournoi quand tu as l'avantage et que tout te donne la victoire.
C'était une grosse erreur. Bah après, s'il avait réussi, on aurait tous crié. Donc, c'est toujours comme ça. Hein. Celui qui réussit, qui a raison. Ah bah voilà, c'est bon. Bah, je crois que c'est fini. Oh, il a raté. Il a bugué. Il aurait dû faire un combo avec la climax et c'était fini. Et bah là aussi, il a raté aussi parce qu'il avait combo sur l'overhead. Et Freezer aussi rate. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le stress. Oui, la balle est en double contact. Non, ça va passer. Oh mon dieu! Cette action de Freezer qui va les mettre à égalité. Brah! Oh là 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 là, c'était magnifique. Il a converti une balayette double contact sur la shop. Et, oh, il a raté son kill. Et il va se faire Stormbringer. Il va récupérer un tout petit peu de Freezer peut-être pour faire la différence. Et c'est lui qui passe en max mode. Et Fishizim qui rate. Il a bien gardé. Il a bien gardé. Et le kill. Et c'est lui qui passe en max mode. Et les deux sont en max mode. Et qu'est-ce qui va se passer? Et c'est la folie. C'est complètement faux. Oh mon dieu, Freezer qui est en train de revenir. Freezer qui le tue. Freezer qui a gagné ce match. Oh là 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 là. Cette prestation impériale de Freezer sur l'erreur d'Ishizim qui a voulu faire dragon avec son Kyo et qui est revenu. Oh là là, mes amis, je sais pas pour vous, mais ce match. Allez, c'est reparti, Leona, Leona. Pas de changement d'ordre. Ishizim veut refaire le mirror. Il pense qu'il a ses chances cette fois-ci. Pour l'instant, c'est Freezer qui a bien commencé avec l'OS anti-roulade. Relevé en Moonslasher. Ah, le Moonslasher qui whiff, mais qui ne donne pas combo. C'était complètement fou ce match. Hein. Ishizim n'a pas le droit à l'erreur. Je rappelle qu'Ishizim, il doit battre Freezer deux fois, hein. Double FT3. Hein. Tandis que Freezer, il est bien sur ses appuis. Ah là, c'est passé. Le max mode Ishizim, lui, c'est l'exé. Oh oui, petit overhead sympa. Enfin, c'est... Il est moche ce match-up, hein. je vous le dis, hein. c'est particulier. Oui, le V-slash de V-slash Freezer. Le meilleur V-slasher et le grattage du Baltic Launcher où tu peux rien faire, spectateur du désespoir. Et encore une fois, Freezer qui remporte le mirror. Je sais pas si c'est une bonne idée pour Ishizim, de la part d'Ishizim de s'entêter. Allez, c'est le Kyo qui nous a fait rêver, le Kyo qui a fait perdre Ishizim aussi sur une erreur très grave. Attention, c'est chaud. Voilà, ce CD. Et encore, mais arrête de faire ça. Mais je sais pas pourquoi il veut à tout prix punir un truc. C'est pas KOF 13, hein. Allez, c'est fini. Kurae Agale. Ça, au moins, c'est fait. Il va reprendre sa vie, normalement. Donc, il va prendre 300 points de vie. Donc, c'est comme si rien ne s'était passé. Mais il faut faire attention avec ces tentatives de repêchage un peu bizarres. Ishizim, c'est bien d'avoir des réflexes, mais il faut pas qu'il se retourne contre toi. Tandis que la maille de Freezer arrive et se prend un dragon d'entrée de jeu en mode ne saute pas ici. Contre Kyo, il n'y a pas de saut. Oh là là, c'est dangereux, dangereux, dangereux. Oh, le poke qui passe et pas de max mode derrière. Je sais pas si Ishizim était très hésitant sur cette situation. Et un nouveau dragon qui rentre. Oh là, le pressing avec les Bullex. Et encore un nouveau dragon qui rentre. La maille de Freezer qui attaque et le Guard Crush qui approche. Il y a Ishizim qui s'enfuit, Ishizim qui essaye. Oh oui, joli, dommage. Il a effacé le premier EK, la boule avec le premier EK. Il en a refait un deuxième qui a fait mouche. Mais attention, le guard crush. Ah, le saut CD, voilà, qui repêche pas. Parce qu'il a fait un reset. Il nous a montré un reset complètement magnifique, Ishizim. Bon, même si le combo tuait en réalité, mais il n'était pas sûr. Je pense qu'il a pas hit confirm. Voilà, et au moins il a pas essayé de repêcher le counter comme un sac. Allez, c'est au tour du Hydern, le Hydern immortel de Freezer. Hein. Vraiment, c'était abusé ce qu'il nous a montré tout à l'heure. Avec la Boulex qui fait double contact sur la balayette, il a eu le temps de se relever et de mettre la climax, quoi. C'est magnifique. Ah, pas de confirme de la part de Freezer sur cet échange de light. Et voilà, il a trouvé son ouverture. Il l'a trouvé. Voilà, il va faire son combo fétiche. Dragon, dragon. Hop, et la mise au sol, et c'est raté. Mais ça punit pas. Ça punit pas, il a mis un coup trop lent Ishizim et le dragon qui repasse. Mais pour l'instant, rien d'inquiétant pour Hydern qui a trop de vie et qui va les mettre à égalité. Et vous vous rappelez tout à l'heure, hein, on avait un Hydern d'Ishizim full life qui était en avantage sur tout et qui a quand même perdu. Est-ce qu'il va réussir à inverser la vapeur, inverser la tendance? Kill. Saute pas, voilà, petit max mode, voilà, tout simplement. Et voilà. Ukogaksama no Hakabada, zi. End, on met au sol, on garde le Hydern tranquillement dans le coin, on active le max mode en garde et on fait le combo et ça tue Okogak Samano Hakamada. Et c'est 2-1 pour Ishizim qui a une balle du reset.
Là, le Leiden, il a fait propre. Il a mis deux combos, il a tué. Ninmu Kanryo. Oh, tu dors à mes pieds, cela a été. Et là, on va rentrer dans l'écran de sélection parce que Freezer ne veut pas se faire reset. C'est ce que s'il se fait reset, bah, il perd son avantage. Mais bon, après, c'est pas forcément fini. Hein. Tandis que Ishizim garde la même team. Hyder, Leona. Oh, c'est l'entrée du Shunei de Freezer, peut-être. En remplaçant de Mai Shiranui. Peut-être que ce personnage fera la différence, qui sait. Hyder Leona. Je crois que dans le top 6, il y a 4 Hyder Leona. Bon, après, c'est le début de la V3. Je pense que les joueurs n'ont pas encore bien cerné les solutions, notamment contre Hyder. Et bah, du coup, bah, voilà, il marche. Les joueurs veulent la victoire, ils ont bien raison. Moi, je pense que je vais remplacer mon Yuri par Hyder aussi. Il faudrait juste que j'ai le temps de le taffer, mais d'ici la prochaine ligue, il y a un mois, donc. Allez, c'est parti. Leona contre Kyo. Encore un changement d'ordre de la part d'Ishizim qui ne veut plus refaire le Mirror. Qui a mis son Kyo, qui est le pivot de son équipe, hein, en première position. Oh, la distance de punir. Mais moi, je comprends pas comment elle peut punir à cette distance avec un 4 frame et convertir ça avec un combo... Ah. Eh oui, mais plus au sol. Oh, stand A en entière. Bien vu ça de la part de Freezer. Très bien vu. Oh, monsieur. Oh bah, ah, c'est bon. Et là, il a mis la totale. Là. Regardez la barre de Leona. Comment elle a fondu. Hein. Quand ça commence avec gros pied. Ah, il a raté. Trop gourmand. Il a trop décalé. Oh, mais en frame trap, ça passe. Et Kyo qui tue la Leona. Et là, il est bien. Et c'est au tour de Shunei, le nouveau protagoniste, hein, de la saga King of Fighters. Shunei qui a reçu un certain nombre d'améliorations dans cette version 3 qui lui ont permis de devenir un des personnages les plus compétitifs du jeu. On démontre ce combo qui est passé à la fraise. Et voilà, et ça tue pas. Il aurait pu tuer en fait, il s'est trompé de combo, Freezer. Il aurait dû mettre un combo avec la max. Et voilà, et donc les deux joueurs sont à égalité. Petit avantage de vie, enfin de ressources. Mais là, Ishizim qui perd son Kyo, hein, qui était quand même son arme maîtresse. Mais là, Leona, sa jeune Leona, hein, qui jouait sporadiquement dans la version V2 et qui l'a commencé à prendre bah, dans la V3. On l'a vu déjà à la précédente Inui League où il s'était complètement imposé, hein, grâce à sa Leona face à Wolfman. Ah, break CD. Pour l'instant, elle contrôle bien le jeu. Elle laisse pas Shunei rentrer. Shunei qui va option select, CD. Et qui s'est trompé. Il aurait dû mettre... Oh oui, bien vu ce Tigerny. Oh, C'est passé, c'est complètement passé. La distance de confirme d'Ishizim avec sa Leona. Ah. Oh là là, pressing au Baltic Launcher. Il n'a pas honte, ce Ishizim. Il n'a pas honte. Et c'est punition des quarts arrière. Oh, cette Leona. GG à Freezer, hein, pour sa petite ouverture surprise en Tigerny. Et c'est au tour de son Hydern qui va devoir corriger sa fille avant de s'affronter lui-même. Je rappelle que si Ishizim gagne ce match, il reset le bracket. Hey. Oh, il a choisi la course pour pouvoir reset sur la relevée roulade. Ah, l'Hydern qui inverse les positions. Ah non, il a fait la chope gros point. Et c'est Overhead qui va passer en l'air. Et donc, il va mettre un knockdown. Oh oui, un nouveau knockdown. Ah, ça va se faire punir. Ça va se faire punir ou je ne sais pas c'est quoi ce jeu. Oh oui, il garde tout. Oh, il garde tout. Mais c'est quoi ce truc? Il garde tout. Oh là 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 là, Ishizim impérial qui reset le bracket avec la meilleure garde de l'univers. Il a tout gardé, devant, derrière, en haut, en bas. Il n'y a pas d'histoire. Il garde. Oh là là. Revenez dans le menu. Menu, ouais. Pour reset le score. 3-1 pour Ishizim qui reset le bracket et qui remet tout à zéro avec sa Leona qui a tout gardé. C'est trop violent. C'est la muraille de Chine. Carrément.
Putain, c'était violent. Ah, Freezer qui va devoir revoir un peu sa stratégie hein, pour arrêter ce mur, ce monstre qu'est Ishizin. Donc je vous rappelle que là, les deux joueurs maintenant sont à égalité et que bah, c'est le meilleur qui va gagner là. Hein. Hassan, ils sont déçus. Je suis sûr qu'ils sont moins là-dessus. Alors, même team pour Ishizim. Ah, le Shunei de Freezer est revenu dans les vestiaires. Il va revenir sur son perso fétiche, Samai, avec le personnage avec lequel il a le plus d'expérience, hein, elle et Leona. Donc, voilà. Allez, on va se battre dans la Antonov Super Arena. Freezer qui doit se ressaisir. Hein. C'est difficile. Hein. C'est toujours dur quand on se fait reset le bracket. Surtout qu'il s'était imposé facilement Final Winner 2-0. Hein. Ah, ça marche pas. Il y a un petit souci. Un petit souci technique. Il y a son pad qui re... لا ماشي هذاك الشيء حيت عزلتي اللعابه كانت خدام دونك رجعها غوديما لو جو غوديما سي غوديما il faut redémarrer le jeu, c'est un bug ça. Redémarrer le jeu, ça va prendre 2 secondes. C'est bon? Allez, c'est parti. De bah, la grande finale pour de vrai cette fois-ci. Les deux joueurs sont à égalité. Ishizim vient de reset le bracket après un fantastique 3-1 face à Freezer. Et on va voir hein, qui est le meilleur joueur. Oh! Xanadu! Qui c'est que va prendre Xanadu? Ishizim? Fallait pas lancer avec ce compte en fait déjà. Fallait lancer avec le NLPS. J'ai rien payé, ça va pas. Quoi? Tu dois le payer. C'est que c'est un DLC. Bah j'en sais rien, c'est bon. Laisse tomber, je suis trop fatigué pour trouver tes trucs. Tu dois le payer pour qu'il tape. Ah putain! Bye bye Ojimbo! Ouais, sauf qu'il y en a, ils ont pas joué avec la. Il y en a qui ont joué avec la version Jap, il y en a qui ont joué en version américaine. C'est pas le même doublage.
Il le fait en version US. Ouais. Yojimbo. Le personnage des lâches ou des riches. C'est un bon concept quand même. C'est un concept génial, Yojimbo. Si tu es nul, c'est le premier pay to win en fait. Avant l'heure. T'es nul, mais tu le payes et tu les démons pétés. Ah, bien sûr, avec Yojimbo. Mais c'est bâtard, je crois qu'il y en a une. Les trois sœurs là. Les abeilles là. Il y en a trois purgatrices qui t'empêchent de l'appeler. Parce qu'elle commence, elle t'attaque en premier. L'abeille. L'abeille, ouais. C'était trop pute. Ça. Je crois qu'il fallait augmenter, il fallait up la vitesse de Yuna au maximum et faire un bonus de je sais pas quoi pour pouvoir attaquer avant elle et invoquer avant que. De... Il est craqué ce jeu. Chinois, tu peux te les sticks. Ça fait maths, dick stick. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un mec dans le décor là, je sais pas qui c'est d'ailleurs, ressemble beaucoup à Ismaël d'Area 12, qui m'a dit de me demander si j'allais jouer à Street. Il est fou lui. Street 6 peut-être si tu veux. Non, je laisse Street Fighter à cette génération montante de joueurs. Moi je suis trop vieux pour ces conneries. Bah j'ai pas envie de dire des choses méchantes. C'est vrai? Oh mais là je vais m'éclater là. Faut pas me laisser commenter Street moi. Non non. Ah ok, c'est bon. Je sais pas, le stick est peut-être un souci, on n'a pas très bien compris. Mais c'est parti pour la vraie finale de la mort. Là, ils ont fait une vraie pause, donc ils ont eu le temps de restructurer leurs idées et Freezer a peut-être eu le temps aussi de déstresser. Donc on est avec les teams qu'on a dit, hein, Leona, Aidern, Mai, ou il faut dire Aidern, Leona, Mai pour que ça fasse pas le nom et prénom du perso, face à Leona, Kyo, Aidern. Est-ce qu'Ishizim va hésiter à son ordre? Il sait pas qui mettre en premier. Et c'est Leona en 1 contre Mai. Et Freezer revient à sa Leona en 3. Il a abandonné Aidern en 3. Ce qui va donner des matchs complètement what the fuck. Et c'est parti pour cette ultime grande finale de la mort de celui qui gagne, c'est le plus fort. Mai contre Leona. King of Fighters 14 V3 en direct d'Aria 12 pour cette Inui League. Le Kachosen, Fardé. Enfin, stand C des boules, stand B, voilà. Freezer qui fait du mail avec sa maille. Un Moonslasher pour qu'on arrête les conneries. Oh oui, Whiff Punish du Bagro avec CD. Elle est restée devant. Même Freezer ne sait pas garder les propres bêtises de son personnage. C'est dire à quel point elle est pétée. Et voilà. Oh, l'option select qui rate. Mais elle était bien rentrée, je crois. Enfin, je crois. Kachosen. Bonne garde, Ishizim qui, voilà. Il va se faire guard crush tranquillement. Et combo de Mai, très bien joué de la part de Freezer qui a complètement optimisé ce petit guard crush et qui va se manger un max mode et mourir. 5-5. Kansumiwa 5-5 elle a dit. Allez Leona qui tue Mai. Autour d'Aidern qui va devoir corriger sa fille. Sa fille qui a plus beaucoup de vie, qui a pas de bar, mais bon. Aidern qui est accroupi. Mais vous vous trouvez où? Bah je suis accroupi. C'est où s'accroupi? Ceux qui ne connaissent cette référence, je vous dirais GG. Allez, avec le Aidern qui presse, avec sa balayette qui est pas safe, mais que c'est safe quand même. Oh! Leona qui passe, je sais pas comment elle est passée. Et un nouveau max mode, il aime bien les distribuer les max mode chez Zimop. Petit overhead comme ça, gratuit. Oh oui, la balayette pour passer sous le kill, une nouvelle balayette. Et décalage gros point. Oh, elle saute normal sur la boule, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah voilà, en fait, si vous voulez tuer Aidern, bah prenez Leona. Oh là là, mais ce Ishizim avec sa Leona bricolée. Et ce tour du Kyo Xanagi avec la meilleure couleur de Kyo. Je revendique cette couleur. Aidern qui stack, tac, tac, qui fait du Aidernisme. Oh oui! Oh oui, cette optimisation de distance qui va tuer Kurai Yagare! Orochinagi Freezer qui mange un Orochinagi. Et qui se retrouve avec un seul personnage contre deux. Mais il a sa Leona. Est-ce qu'elle va faire la différence? Sera 5 Fury! Leona avec 5 barres! Et qui fait des trucs dans la garde unsafe, mais que Ishizim sait pas punir. D'accord. C'est le niveau marocain, en fait. Ah, et voilà, oui, punish, gros point. Et la Fury! Ta 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 ta!
Et là, une chance sur deux. Et voilà. Eh ben non, il a raté. Il a raté. Freezer a raté. C'est la panique. C'est le stress des examens. Il sait pas quoi faire. Vous savez pourquoi il n'envoie pas la boucle d'oreille? Parce qu'il a peur de manger un Orochinagi X dans les dents. Il était prêt à dégainer. Oh oui, Shizim qui double contact. Normalement, il devrait pas. Enfin, si. Si, si. Non, non, c'est normal. Ça double contact. Et là, Freezer, il a complètement retourné la situation en deux temps trois mouvements. Et voilà, c'est Leona invincible qui va se retrouver face à son papa. Et c'est compliqué là. C'est très compliqué pour Ishizim. Hein. Je vois pas trop. Hein. L'expérience de Freezer avec Leona. Je veux bien qu'il soit. Oula, bon, là ça va déjà commencer avec un petit combo. Kokaksamano Hakabada. Ceci est ta tombe. Oh oui, gros point décalé, mais il a pas confirmé. Il aurait là, il a pu la tuer. Ouh, aïe, aïe, aïe. Oui, aïe, oh, ah, pressing. Poke, pas poke. Ah, et là, boule. Hop, ah, et là, ah, ah, voilà. Et, oh, ah, oh oui, oh oui, oh oui. Et là, devant, derrière, derrière, devant. Oh là là, Freezer. Oh là perfect. C'est un perfect. Perfect. Il a pas pris un grattage et il l'a terminé en course gros pied sur son backdash Excalibur et 1-0 pour Ishizim qui n'a pas. Regardez le Aidan, il est propre, il a pas une graine de poussière sur son corps. Perfect. Contre Leona qui avait toute sa vie. En gros, il lui a dit, écoute ma fille, tu vas rentrer à la maison, tu vas faire à manger, et tu arrêtes les conneries, tu laisses la guerre et l'armée, c'est pour les hommes. Oh là 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 là, Ishizim qui a... Wouh, c'est violent. Allez, Leona contre Leona. Freezer qui change d'ordre et qui va remettre sa maille en 3. Une stratégie plus classique. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce match-up? C'était dégueulasse. Il a poke, gros point, poke, gros point, gros point, poke, hop. Oh, ça en devient ridicule. Franchement, c'est ridicule. ACD dans la garde. Et qui a gagné le R2R, donc il met son pressing. Voilà, il se décale. Je sais même plus qui est qui. Ah, bah ok, la blanche, c'est Ishizim. Oh là là là, ah, ça, c'est pu... ah, il aurait pu punir avec gros point, il s'est chié dessus, je crois, il avait peur que ça soit comme Aidan. Oh là là, il a gagné le R2R, et c'est lui qui met le combo, hey, statatatatata. Pour l'instant, Ishizim est en train de gagner le Mirror Leona, Leona, et je crois que c'est pour la première fois qu'il le fait, qu'il le gagne. Hein. Oh oui, oh oui, oh, c'est dangereux, c'est dangereux, mais Freezer n'a pas dit son dernier mot. Il y a encore des V-slash qui peuvent arriver. Oh là là, il s'en bat la race du CD, charge, il a mis une balayette. Il a mis une balayette. Y'a pas une féministe dans... Ben non, les féministes, c'est nos potes. On est tous féministes. Regarde, ils jouent tous des meufs dans les jeux de combat. Moi, je joue Najd. Hey, Leona qui a bien commencé. Oh, et qui bloque son papa. Dans le coin. Et le Baltic Launcher, regarde la barre. Oh, y'a pas eu d'option select, là. Bien vu, ça, Freezer qui va enfin pouvoir se débarrasser de la Leona en la vidant de ses barres. Et de sa vie. Bien, bien, il est bien revenu, Freezer, là, 47 secondes, il va prendre 300 points de vie. Ça va lui faire du bien. Contre le Kyo. Non, ça, c'est un match pour... Franchement, c'est un match impossible pour Kyo, je trouve, moi. Sur le papier, comme ça, je vois pas ce que Kyo peut faire contre Aidan. Ouh, là, ça, c'est... ça, c'était dangereux. Oh, oui, bien vu. Guard Crush, pas encore, eh oui. Et c'est bon, et le combo avec le kill. Et le, ah, il a raté, ou je crois qu'il avait plus de max mode. Ah, Ishizim qui break CD. Son Kyo est déjà bien entamé contre Aidan, complètement en forme de Freezer. Ah là, il attendait le Mac, il attendait l'overhead. Et il a pris le Babé stand B et la mise au sol, il l'emmène dans le coin. Et il se relève pas vite, et il lui remet un deuxième overhead. Comme ça, enfin c'est pas un deuxième overhead. Cette fois-ci c'est le vrai overhead, je veux dire. Mais la phase est passée, hey. Hey! Et dragon, pourquoi il fait dragon sur la relevée du mec? Il est complètement fou. Oh, et l'Ereka! Mais pourquoi il prend des risques comme ça complètement stupides? Garde le pif et punis-le! Il a voulu mettre dragon dans le pif, Zamara. Mais là, il est bien, Ishizim. Hein. Il est très très bien parce qu'il voit le dernier personnage de Freezer. Mais c'est sa maille. Et sa maille, elle est complètement pétée. Mais elle mange les dragons de Kyo en mode ne saute pas. Et encore un dragon de Kyo en mode ne saute pas. Oh, c'est pas un jeu de sauterelle. Koff et le max mode qui va passer à distance max! Avec le max mode optimisé de Kyo en 2, hey,
Hey, mise au sol, safe jump, safe smash, top, hey, hey. Eh ben oui, faut pas oublier ça. Faut pas oublier ça, Freezer. Parce que quand on joue pas contre Kyo longtemps... Oh, bah grand point, c'est bon, Freezer qui craque pas. Freezer qui craque pas, c'est pas fini, il a le 0 de vital absolu. Le moindre break CD le tue. Bonne échappe et fardé. Et 2-0 pour Ishizim qui est en train de dominer cette grande finale après s'être fait complètement exploser. 2-0 en finale winner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est violent. Freezer doit changer quelque chose. Ah oui, là il faut aller dans l'écran de sélection. Faut réfléchir, faut machin. Là, c'est chaud. Là, c'est très très chaud. Voilà, Ishizim qui nous a montré que la solution pour tuer Freezer, c'est de prendre Leona. Voilà. Pour tuer Leona, faut Leona. Merci. Merci d'être venu. Tout à l'heure. Ah, et en plus de ça, quand il a perdu, il avait pas Leona. Ah. Et ça, c'est encore pire. Kula ? Freezer va prendre Kula ? Ah non. Il va reprendre Mai, il reprend la même team. C'est vrai que le seul match qu'a perdu Zim, enfin, le 2-0 qu'il a mangé, il avait pas Leona. Voilà. C'est la conclusion de ce début de V3. What? Il me reste 9% de batterie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah c'est le... Ouais bah c'est le... Ouais c'est le stream en fait. Allez, ça va se battre dans le training stage. Pas de changement d'équipe, peut-être un changement d'ordre. J'ai pas vu les ordres des personnages. Et Leona encore une fois en miroir. Est-ce que Ishizim va encore gagner le miroir? Bien vu Baléat hein, sur le CD Grand Saber. C'est Freezer hein, qui a ouvert le bal. Oh, mais regarde cette bataille de balayette, c'est ridicule. Oh oui, elle est passée. Elle est passée, la Leona d'Ishizim. Elle est passée. Voilà, pressing. Voilà. Voilà, ben, Freezer sait pas quoi faire, lui non plus, contre son propre personnage et les mongoleries du bonhomme. Voilà. Ben, c'était ça, en fait. C'est, ouais, ben, voilà. Il subit ce qu'on subit et ce qu'il nous fait subir. Voilà, ben, il est obligé de bourrer. Il a raté son OS et ça, c'est pas bon. Ah, il est revenu dedans Ishizim. Et voilà Max Mode, bah oui parce que c'est comme ça. Et boucle d'oreille X, et qu'est-ce qu'elle va faire? Bah elle va prendre son petit pied sur place. Et encore une fois Ishizim qui gagne le mirror match contre Freezer avec sa propre Leona. Est-ce que... Ah, il a repris Shunei, j'avais pas vu. Mais il a enlevé qui alors? Il a enlevé Aiden, ne me dites pas qu'il a enlevé Aiden. Ah non, ah, j'ai eu peur, il a enlevé Mai, d'accord. Ah oui, oh. Et Shunei hein, qui a malheureusement pas performé le match quand la seule fois qu'il l'a choisi. Mais là il l'a repris et là ça va faire très mal avec la Fury. Non, il fallait mettre l'autre super Freezer qui fait beaucoup plus mal que celle-ci. Dans le coin, il faut mettre l'autre super avec les mains. Voilà, il est bien le Shunei, il va se débarrasser de la Leona. Oui. Et Shunei qui fait le taf de Freezer et qui va devoir affronter Kyo, le combat des héros générationnels. Sanagi Kyo. Anta, machin, je sais pas ce qu'il lui dit là dans le mode story. En tout cas, ils vont s'affronter. Mais Kyo qui a 3 barres quand même. Hein. Oui, bien vu ce petit cross-up. Ah, j'ai plus de batterie, je vais plus pouvoir vous lire dans le chat, mais c'est pas grave. Puisque je vais. Oh oui, patate. Stand A pour arrêter l'attaque de Shunei. Bien vu, babé entière. Avec un combo max mode optimisé. Dragon. Ah oui, Riz Z devant derrière, mais Shizim s'en fout. Puisque lui il envoie dragon dedans. D'accord. Bah il a raison, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Plutôt que de piffer une garde, piffe un dragon. Allez, carrière, très bien. Shunei est impérial hein, de Freezer dans ce match. Il fait pas d'erreur. Et là, voilà, il va prendre sa première ouverture. Sa première Ishizimri. Il rate pas, hein, alors que c'est chaud ce combo. Hein. Voilà, mise au sol, hard knockdown. Oh oui, ça c'est pas safe. Ah, il fallait faire petit pied, Ishizim, pas gros pied. Et voilà, c'est fini, c'est terminé. Tac, 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 tac. Bodiga, Nanaktaze. Et chop. Oh là, elle fait mal cette chop. Ishizim est en train. Bah, balle de match là, round de match. Enfin, c'est fini là, s'il le tue, terminé. Le Shunei a bien bossé, mais il s'est fait vite remonter par Kyo. Et là, ça va être au tour du Aidern de Freezer. Le Aidern impassible de l'empereur du froid, Freezer. Il va devoir venger sa fille, venger Shunei, avec qui il n'a aucun lien de parenté, mais c'est pas grave. Il a un lien de craquance. Il est bien, il est bien. Freezer est très bien. Si tu Ishizim là, il va arriver avec 3 barres en miroir. Et ce qui va lui permettre de retourner en fait le retard qu'il a pris. Il faut qu'il réussisse à ne pas claquer trop de barres et ne pas perdre trop de vie.
Pour l'instant, c'est exactement ce qu'il fait. Excellent travail hein, de la part du Aiden de Freezer qui temporise bien, il n'a pas perdu, il n'a pas pris de dégâts, il garde très bien contre le Kyo, il craque pas et Kyo qui rate. Et ça, c'est une belle opportunité pour lui parce qu'après, Kyo va arriver. En fait, le Aiden en miroir va arriver avec moins de vie, moins de ressources, je veux dire. Oh, le Kula X qui passe et le kill. Et là, il est bien, il est très bien là, Freezer. Il va reprendre 250 points de vie, il a 4 barres et il va affronter. Ouah, il me reste une. Ok. Ah, mais c'est la musique qui prenait mes ressources. Ok, saut gros point. Oui, relevé en kill Fury, d'accord. Voilà, il y a Ishizim qui a trouvé le cross-up, mais malheureusement qui a pas eu de combo derrière, avec le petit setup de Freezer. Voilà, activation de max mode, là dans Reset. Oh, ce Reset de Ishizim, il est complètement fou. Il est habité par une force démoniaque, c'est pas possible. Ah, c'est Freezer qui a l'ouverture avec l'overhead. Et j'ai plus de chat, donc je ne lis plus vos commentaires. Vous ne pouvez qu'écouter les miens. Et cross-up, pas cross-up. Franchement, là c'est chaud pour Freezer. Oh là là, et il a pas la climax. Il aurait pu la mettre comme tout à l'heure. Avec les boules qui s'annulent. Freezer, le cross-up. Ah, il a raté son cancel. Il aurait pu le tuer. C'est chaud. Freezer qui doit à tout prix se débarrasser du Aiden pour pouvoir avoir une chance de rester dans ce tournoi. Sinon, c'est terminé. Victoire d'Ishizim. Et bien vu le cross-up, Balayette. Ishizim qui a raté sa boule. Ishizim qui a raté la boule. Et Freezer qui enfin sauve sa peau. Grâce à, bah, finalement, Shunei, hein, quelque part. Ah, Ishizim, c'est le stress, là. Il peut se faire remonter en deux temps trois mouvements. Hein. Ils vont refaire Leona. Est-ce que Ishizim va s'imposer en Leona aussi facilement que tout à l'heure? Je ne sais pas. Freezer a l'air bien remonté. Il ne veut pas perdre. Hein. Il veut reprendre la première place du classement. Avec la balayette qui passe sur Ishizim. Petit pressing safe. Oh oui, bah oui, bah oui. Il faut moonslasher des fois, hein. Il faut savoir se lâcher en moonslashant. Bien, il est bien Freezer, il est bien, il a trouvé son rythme Freezer, il a trouvé son bon rythme. Voilà, il est en train d'entamer petit à petit la Leona d'Ishizim. Je le sens bien Freezer, je le sens bien. Cette victoire l'a remise en confiance parce qu'il était en train de subir un gros beat by. Et il avait besoin de gagner ce match. Ah là, attention les petits max mode d'Ishizim là. Ah oui, le grand sabre pour passer en dessous du Earring Bakudan. Ah, pour l'instant, c'est très équilibré entre les deux joueurs. Pas d'activation max mode pour Freezer sur ce double, sur ce deux hit. Oui, oh, Ishizim, il a pas le temps. Hein. Il a touché la reset. Hein. Et ils sont fous. Et encore une fois, Ishizim gagne le mirror. Devons-nous en tirer une conclusion? Je ne sais pas. Mais c'est au tour du Shunei qui a très bien travaillé pour Freezer dans le match d'avant. Et qui va peut-être encore faire la différence. En tout cas, il doit se débarrasser vite de cette Leona. Ah là là. Oh oui, le Baltic Launcher avec le n'importe quoi ce coup. Ah, il a raté, mais il a encore mis deux babés. C'est n'importe quoi. Hippolyte, faut pas craquer. Oh, cette Leona, comment elle est passée? J'ai rien compris. Qu'est-ce que c'était que ce saut? Ah voilà, ça tue. Et voilà, ça tue. Il est dégoûté, Ishizim. Il a survécu autant qu'il pouvait. À 43 secondes, il est mort. Il aurait pu gratter encore un peu plus de vie. Parce que je rappelle que la vie que vous récupérez dépend du temps restant. Hein. Il y a des paliers, 42, 30 et 18. Chaque fois qu'un de ces paliers passe, vous récupérez moins de vie. Avec Ishizim qui va trouver tout de suite l'ouverture avec son Kyo. Et qui rate son combo, mais qui va mettre une chop. Et le smash qui passe, et qui va mettre un combo max mode. Full damage avec le Kulae X qu'il a raté. Ah bah tout à l'heure je disais pourquoi il rate pas. Maintenant il rate, mais il est en train de mettre un perfect Shunei qui a enfin trouvé une petite ouverture. Ces ratages là sont dangereux pour Ishizim parce que Shunei touche là, il va faire très mal, c'est ce que je vous ai dit. Ce ratage de Ishizim peut lui coûter peut-être son tournoi, qui sait? Parce que là, regardez la barre hein, sur Babé. Il lui a mis Babé et regardez les dégâts qu'il a mis. Oh gros point. Freezer qui sait pas trop comment ouvrir. Oh! Mais qu'est-ce que c'était que ça? Et hey, Yori, il a pas le droit de faire ça, hein. Yori, quand je fais ça, je me fais déglinguer, là. Pourquoi il a une hitbox qui tape derrière Kyo? Bon, bah voilà, bah c'était fini. Bah c'est pas encore fini, parce que le Aiden de tout à l'heure, il a fait très mal de Freezer. Freezer qui doit à tout prix sauver cette balle de match, encore une fois, pour une deuxième balle de match consécutive, et qu'il doit sauver avec un Aiden qui a très bien commencé son round. Voilà, kill, enfin... Voilà, bah, boule dragon, le Adotrap, hein, écoute... Kyo, c'est chaud, voilà. Voilà. Il est mort comme tout à l'heure, il a encore pris un saut gros pied. Et là, ben, c'est Aiden. que le meilleur gagne, justice nulle part. Bon, après, Ishizim a 4 furies. Hein.
C'est chaud, hein. Voilà, ça va se finir peut-être sur un Hydorn. Voilà, il a trouvé l'ouverture Freezer, mais après il a plus de barre, hein. Tandis que Ifizim, bah. Oh, il s'est fait ouvrir encore. C'est punition ça. Okogaksamano Hakabada. Bim, 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 bim. The end. Et il lui a mis l'overhead, il lui a mis. Okogaksamano. Ça tue pas encore, hein. C'est pas fini. Là, parce qu'il a 0 barre et là, Outrider en a 2. Ça peut se retourner en 2-3 moments. Mais non, il a fait une course shop qui tue. Oh là là, il a couru full screen. Ishizim qui reset le bracket et qui tue Freezer 3-1 deux fois de suite, mes amis. Ishizim qui s'impose comme le tenant du titre et le champion du leaderboard avec sa deuxième victoire consécutive. Magnifique prestation du joueur casablancais. C'était violent. Il a pris 2-0 en grande finale, en finale winner, je veux dire. Il a changé sa stratégie, il a révisé son jugement. Et après s'être faufilé, hein, en finale loser, il a réussi à s'imposer 3-1. Ishizim est un grand joueur. Freezer aussi, qui n'a pas démérité, qui a fait un très bon tournoi. Hein. Il est arrivé sans problème en grande finale. Il s'est imposé en grande finale, mais malheureusement, la fougue d'Ishizim, avec son Kyo, sa Leona, ses Aiden, enfin toute l'équipe a très bien travaillé. Félicitations à Ishizim, qui s'est imposé, Manimansulk. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce spectacle. C'est ça King of Fighters 14, c'est de la pression, c'est des remontées, c'est des retournements de situation, c'est des Leona un peu partout aussi, et du Aiden. Mais c'est surtout des grands joueurs d'un talent vraiment exceptionnel. Voilà, donc chez vous, applaudissez. En tout cas, moi, j'ai pris un grand plaisir à regarder ces matchs. J'ai pris un grand plaisir à participer à ce tournoi. J'ai essayé de faire de mon mieux. Et j'ai essayé surtout de vous offrir les meilleurs commentaires que je puisse faire afin d'animer et d'être à la hauteur du spectacle que vous avez affronté, auquel vous avez assisté. J'en perds mon français. Voilà. En tout cas, je voulais remercier énormément Aria 12 pour avoir accueilli cet événement et toute l'équipe Aria 12, hein, que si bien côté organisation que le local, etc. Et bien entendu, mille merci à Inoui pour nous offrir cette opportunité, pour nous permettre de nous retrouver mensuellement, même deux fois par mois, hein, grâce à Dragon Ball Fighters, et s'affronter dans les meilleures conditions. Donc voilà, en espérant que ça continue à se développer. C'était Frionel, je vais rendre l'antenne et encore une fois félicitations à Ishizim, à Aria 12 Ishizim, pour sa victoire vraiment implacable. Allez, je vous laisse, bye bye à tous. Ah oui, et après c'est Street Fighter 5, donc ne quittez pas. J'ai oublié de dire ça. Mais en tout cas, moi je vais vous laisser et je vous laisse en compagnie des joueurs de Street 5 qui, j'espère, vous donneront un spectacle à la hauteur de ce que vous venez de voir. Bye bye.